Le Morning Buzz de ce lundi matin continue avec la chronique devenue habituelle à cette heure-ci, celle proposée par David du Carrefour des Réussites. Bonjour David, tu vas bien ? Bonjour Bernard, je vais extrêmement bien. Extrêmement bien en ce début de semaine. La chronique Moment d'inspiration, c'est maintenant. Quel est le sujet de cette chronique en ce beau lundi ? Faites simple autant que possible. Ah, la simplicité. À propos de quel sujet par exemple ? En fait, je vous demande... pourquoi il faudrait chercher midi à 14h alors qu'il suffit de regarder sa montre ? Et est-ce que cette thématique de la simplicité et du minimalisme vous parle, chers auditeurs ? Dans un monde où les nouvelles technologies et le consumérisme prennent une bonne partie de notre quotidien, nous avons l'art de nous compliquer la vie. Certaines habitudes sont devenues tellement naturelles que l'on en arrive à oublier de savourer les choses simples. Il n'y a qu'à observer. Par exemple, vous avez un groupe d'amis autour d'une table et la plupart regardent et ont leur attention rivée sur leur smartphone. Profitent-ils vraiment de ce moment convivial ? Vous avez également cet employé qui envoie un email à un collègue situé dans le bureau à côté de lui. Il est parfois plus rapide d'échanger de vive voix que par email. Il existe de nombreuses situations où l'on se complique la vie sans s'en rendre compte. Et pourtant, nous sommes influencés par notre environnement. Alors, quelles sont les solutions qui existent pour revenir justement à l'essentiel, David ? Bien, je vous en parlais au début de la chronique, le minimalisme. Il s'agit en fait d'un mouvement qui propose d'adopter un style de vie plus simple. Cela vous permet notamment de diminuer le stress causé par les situations que l'on complexifie inconsciemment. Il est possible d'adopter un état d'esprit minimalisme dans toutes les sphères de sa vie. Simplifier sa vie au bureau, réaliser un nettoyage de printemps dans sa maison pour ne garder que l'essentiel. Cuisiner avec des aliments simples pour retrouver les goûts d'antan. Bref, il y a de quoi faire. En effet, apparemment le sujet est vaste et on peut se lancer dans cette méthode pour plein de sujets bien précis. Est-ce que tu en as un en particulier comme ça à proposer ? Par exemple, ranger sa maison. C'est un bon début parce qu'en fait, c'est l'environnement où l'on vit le plus après le travail. Et donc, s'il y a possibilité de simplifier la vie de la maison, eh bien, ça enlève déjà une bonne partie de stress. Est-ce qu'il y a des méthodes ou des ouvrages vers lesquels on peut se référer pour justement apprendre à mieux simplifier les choses ? Tout à fait. Soyez prudents, chers auditeurs. Comme tout changement, je vous conseille d'en choisir un. Choisissez une chose à simplifier et concentrez-vous sur cette unique chose. Au fil des jours, une nouvelle habitude s'installera et vous pourrez passer à un autre changement. Et je vous conseille l'ouvrage intitulé « Minimalisme, la quête du bonheur et de la liberté par la simplicité » de Judith Krillen aux éditions Rustica. En plus, Judith est une Belge bien de chez nous et cela fait plaisir de soutenir des gens qui sont proches. On l'a compris, c'est une technique, donc simplifier un peu et minimaliser ce qui nous entoure. C'est pas si simple, il vaut mieux se référer un petit peu à un ouvrage pour bien comprendre la méthodologie et puis surtout ne pas se disperser dès le début sur plein de sujets en même temps. Effectivement, et laisser aller sa créativité, d'ailleurs c'est le sujet de la prochaine chronique. Ben voilà, qu'on découvrira bientôt sur Buzz Radio. Un lundi matin, par exemple. Effectivement. Merci, David, d'être passé en studio ce lundi. Plaisir. On va tenter d'appliquer avec toi cette technique de simplification et de peut-être nettoyage autour de nous pour tenter d'avoir la vie plus simple. Eh bien, je vous le souhaite. Bonne journée à toi. Tu le sais, c'est la musique qui revient à l'instant sur Buzz Radio dans le Morning Buzz.